You see, it's a real musical instrument without string or wind. The sound is produced electrically by means of radio valve. À partir de l'invention de la lampe triode, il y a eu énormément d'inventeurs qui ont pensé qu'il était possible de fabriquer un instrument de musique grâce à l'électronique. Martenot, lui, véritablement, ce qu'il va fabriquer, c'est pas tellement un générateur de son, c'est le moyen de contrôler ce son. Il a vu naître un répertoire pour lui, à la fois savant, populaire. Qu'est-ce qui fait que 80 ans après, il est toujours là ? Club très fermé, les ondistes. Leon Martenot was a bit overlooked by all the early electronic composers because it was too passionate, it was too lyrical and expressive. Monsieur Martenot invented his machine at the wrong time. Pour lui, l'instrument actuel n'était qu'une ébauche de ce que serait un jour l'instrument dont il rêvait véritablement, c'est-à-dire qu'on le brancherait directement sur le cerveau et il suffirait de penser pour faire entendre la musique. Pour inventer cet instrument, il fallait rêver au départ. Oh oui, j'ai terriblement rêvé. Et de nuit et de jour. Quand on entend les ondes Martenot, c'est une monodie qui parle de quelque chose qui est unique. Je t'ai dans la peau. Y'a rien à faire. Tu es partout sur mon corps.